Hello, I'm Dora. Et moi, c'est Babouche. Est-ce que tu aimes te faire chier tout seul? En tout cas, moi, j'adore me faire chier depuis 1789. Hé, hey, regarde, j'ai un livre super chiant à lire. C'est trop génial. En gros, ça raconte l'histoire de... Il était une fois, 986, édition Gallimard, toute reproduction partielle ou intégrale. Attends, mais t'es en train de lire ce que personne lit? Voulez-vous que je raconte une histoire? Oh putain, un livre qui parle! C'est un extraterrestre démoniaque! Oh non, c'est pas vrai, mais pourquoi tout le monde part comme ça? J'avais préparé les épées et les migales. Monsieur l'esprit, y a un putain de livre qui parle. Et alors, vous voulez que je fasse un clip YouTube à 2 milliards de vues sur les ovnis? Vous voyez qu'il n'y a rien de normal dans ce monde. Alors fouillez si ça vous plaît pas. Ah merde, peut-être qu'on a eu le mauvais psy. Pour que je vous raconte mon histoire, il faut d'abord sauver les conventions temporelles de la mort. Car sinon, la Terre sera détruite. Ah bon? Hé, attends Dora, on va peut-être pouvoir devenir des super-héros. On sera remerciés par tous ceux qui nous aiment pas. Comment on fait? Pour ça, il faut dire s'il te plaît. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Et il faut le dire en anglais. En anglais, c'est... Mamadou Sekpa. Hein? Comment faut-il? Mamadou Sekpa. Super! Tu as enfin sauvé le monde! Alors, il n'était pas une fois, mais deux fois, un mec habitant dans un château était apprécié par toute la population. Puis, pour ses 10 ans, il devint roi. Alors, une immense foule... apporta la couronne du roi. Mais problème, il n'arrivait pas à mettre la couronne sur sa tête. Oh merde, j'aurais jamais dû acheter le Apple à casque métallique. Ah mais en fait c'est une histoire de merde de flemmard. Tais-toi. Et enfin, le mec ne deviendra jamais roi. Mais c'est alors que Sir Chipper le renard voulut voler la couronne. Ah merde, c'est pas assez chiant. Oh tu te réveilles l'auditeur là? On n'est pas à la foire. Alors, veux-tu aller rechercher la couronne magique avec moi? Oui, super. Espèce de flemmard brawler à rien faire de ces journées pathétiques là. Glandor sur YouTube. Pour savoir où on doit aller, il faut appeler la carte. Oyez, gentes dames et beaux damoiseaux. Pour naquir au château du roi, on fait stoy d'abord bâtonner tout droit de 5 chevaux. Puceler à gauche de 1 chevaux, puis puceler à ma gauche de 300 chevaux. 2500 heures passèrent avant, et enfin, on doit chandelier pour festoyer au roi. Est-ce que tout est bien clair? Et de toute façon, maintenant, on est au Moyen-Âge. Alors, je peux pas faire plus simple. Allez, adieu, gentes dames et beaux damoiseaux. Et sur le champ, permettez-moi de dormir un peu. Ah, prostituée! Vous devez hâter attention avec Shipper! Oh non! Une chouette s'est fait emprisonner! Please! Oh ta gueule avec tes please! Peux-tu regarder dans mon sac à dos? Non, pas mes doigts, pas là! Mais par mon sexe, bordel de merde! Oh! Sac à dos, yeah! Alors aujourd'hui, j'ai un ciseau haut de gamme et un autre bas de gamme. Lequel veux-tu prendre? Le ciseau bas de gamme? Eh bien, ça sera ça. Maintenant, tu vas prendre ta main et tu actionnes le ciseau. Allez, coupe. C'est quoi ce bruit? Attention, vous avez lancé un putain d'explosif. Attends, c'est écrit. Attends, ciseau à ceinture explosive. Oh non, il y a une bombe atomique. Viens arrêter cette bombe avec. Ah merde, c'est dommage, on n'a rien pu faire. La bombe a explosé trop rapidement. Oh, une porte. Rappelle-toi. Si tu veux ouvrir une porte, il faut dire s'il te plaît en anglais. Allez, dis-le, babouche. Mamadou Sekpa. En fils de pute, là, tu vas t'ouvrir. Bon, ne regardez juste pas, voilà. Je vais juste faire un truc avec la porte. Oh, foutez quoi, là? C'est une propriété privée, ici. Grâce au mot Mamadou Sekpa, on a pu enfin ouvrir cette porte. As-tu entendu ce bruit? Je crois que c'est Shipper. Est-ce que tu le vois? Où ça? 32 avenue quoi? Vite, fermons cette porte. Pour fermer cette porte, il faut dire... Je nique vos mères la pute, bande de fils de pute. Ouf! Grâce à ton aide, on a pu réussir à s'échapper de Shipper. Oh mince! Hein? Que... Oh mince, j'ai coincé mes fringues sur la porte. Oh non, ne filmez pas s'il vous plaît, ne filmez pas. Oh non, Babouche a été mangé par un crocodile. Qu'allons-nous faire?